Cédric Mathieu, un coach heureux. Cédric, un match fou, où vous avez dominé le premier temps, vous devez tuer le match. Deuxième mi-temps, un peu des deux côtés. Prolongation, vous avez deux pénaltys contre, et un est loupé et un que votre gardien arrête. Et puis, vous qualifiez 3-1. C'est vraiment un match de fou, un match de coupe. Ben oui, un match de coupe. Prolongation, j'aurais dit aux garçons qu'il fallait être patient. On a été jusqu'aux prolongations. Je me suis dit, on va aller jusqu'au pénalty. Puis, le fait d'avoir des occasions de part et d'autre, ça n'a rien à la valeur de l'équipe de Chadrac, parce qu'ils ont eu des occasions aussi. Même si, quand même, sur la première mi-temps, on méritait de mener largement au score, puisqu'on a eu 4 grosses, très, très grosses occasions. Maintenant, super état d'esprit, super match, et puis super match de coupe. Ouais. Bon, bah, ça y est, vous êtes le petit poussé de la compétition au niveau départemental de la Haute-Loire. Hein. Ouais, tant mieux. Écoute, on va le prendre comme ça. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de passer ce tour, parce qu'on n'arrive pas à passer ce tour pour aller chercher les maillots, les gamins. Quand j'ai demandé qui a un maillot de Coupe de France, il n'y en a que deux qui ont levé la main. Donc, je leur ai dit, allez le chercher, quoi, vous le méritez. Par contre, ça demande de faire des efforts. C'est une équipe de DHR, c'est Chadrac. C'est une équipe qui est du haut de tableau de DHR. Donc, j'aurais demandé de niveler le niveau, de se mettre à leur niveau et puis même de faire plus, c'est ce qu'ils ont fait, donc super content. En route pour le quatrième tour. En route pour le quatrième tour, et puis bon, si on pouvait recevoir encore une petite fois, ça procure de bonnes émotions, donc ça serait super. Merci Cédric. Avec Raphaël Cause, capitaine heureux des Sauveteurs Brivois. Raphaël, un match, on a discuté avec ton coach. Un match fou, hein, où les deux équipes ont eu l'opportunité de l'emporter, notamment vous avez subi deux pénaltys. Vous avez pu notamment tuer le match en première mi-temps et en fin de rencontre. Ouais, c'est un truc de dingue ce match. Hein. Ah, c'est un truc de dingue où on mène en. Ouais, ben, c'est ça aussi le charme de la coupe. Hein. Exactement. Des moments de joie, c'est ça aussi. Exactement, ouais. Un match où vraiment on a eu des difficultés en deuxième mi-temps. Notamment où l'équipe de Chadrac loupe deux pénaltys, un qui est sorti par notre gardien, et on arrive à faire la différence en contre, voilà, avec nos ailiers qui sont très rapides. Cédric me disait aussi que c'était l'occasion pour beaucoup de joueurs d'entre vous de connaître le quatrième tour et d'avoir les maillots, puisque apparemment très peu de joueurs en ont, donc c'est aussi l'opportunité de jouer le quatrième tour avec les maillots de la Coupe de France que tout joueur amateur souhaite. Ouais, exactement, ouais, on a une équipe hyper jeune. Donc on doit être 3-4 joueurs à avoir déjà joué ce quatrième tour. Donc c'est vrai que pour tous nos jeunes, pour tous ces jeunes qui sont formés au club, eh ben, ça sera une belle expérience. Très bien, merci Raphaël.